Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce sixième numéro d'une nuit en ma compagnie. Donc là, pour changer, puisqu'on nous reprochait souvent de ne pas y venir en Bretagne, on y est, sous la pluie. On est arrivé ce matin, on a installé le campement. Je suis sur un gros plan d'eau sud-breton d'un peu plus de 200 hectares. L'eau est très froide, elle est aux alentours de 6 degrés. Donc voilà, on va finir de s'installer, je vais préparer mes montages et on va essayer de faire un poisson durant ce petit 24 heures. Je vais en profiter d'être dans le bivy à l'abri du déluge pour vous présenter les deux types de montage que je vais utiliser lors de cette courte pêche. Donc je vais utiliser, je vais mettre 4 cannes, je vais mettre 2 cannes avec des appâts denses équilibrés à ras le fond et 2 appâts avec deux montages avec des appâts flottants. On va essayer de voir. Je n'ai pas choisi de pêcher avec des très gros appâts pour justement voir s'il y a de l'activité de petits poissons, etc. Donc là un montage tout vraiment classique. C'est pas plus simple, c'est un petit badling avec la Cortex Mat en 25 livres, dénudé sur quelques centimètres comme d'habitude. Un nœud sans nœud sur un wide gap, point 30-30, parce que je vais pêcher principalement sur des cailloux en taille 7, donc vraiment très petit. Un tout petit morceau de silicone sur l'œillet, voilà, pour accentuer le pivotement et pour avoir quelque chose de très propre. Et là en fait j'ai taillé les nouveaux dumbbells de chez C.C. Moore, j'en ai taillé un pour vraiment équilibrer avec un grain de maïs. Donc ça va être posé comme ça sur le fond. Donc ça c'est le petit montage tout simple. Dessus je mettrai un petit peu de pâte d'enrobage et je verrai en amorçant, je mettrai vraiment très peu d'appât autour, peut-être quelques bouillettes de 10 mm avec des dumbbells et peut-être une petite pelle de pelée. Et sur mes montages flottants, j'ai utilisé la nouvelle Camo Spliss. Donc en fait c'est assez révolutionnaire dans le principe qu'en fait on n'a plus de nœuds. En fait les nœuds c'est fini, on fait des épissures comme sur du lit de corps. Donc que ce soit pour relier à mon agrafe rapide ou est-ce que je viendrai verrouiller avec un petit sleeve, ou que ce soit au niveau de mon injet sur les mérillons, en fait c'est très propre, c'est une petite épissure, donc il n'y a plus de problème de nœud. Et puis voilà, un tout petit bassroom rig en partie terminale, voilà, que ça décollera mon appât de 4-5 cm sur le fond, ça va descendre tout doucement, ça va se poser, même s'il y a un peu de sédiments mous, des feuilles, des choses comme ça, ça pêchera très propre. Donc voilà, très simple. J'ai tout minimisé, que ce soit la taille des hameçons. Là, je suis sur un hameçon de 7, pareil. Un petit appât, et puis voilà. Par contre, j'ai utilisé des plombs relativement lourds, 170 grammes inline, pour avoir un bon autoferrage. Et donc, voilà. Là, on est en mode très simple. On va surtout jouer sur la traction pour essayer de déclencher une touche, parce que les eaux sont encore relativement froides. Donc, je vais continuer à préparer mes autres montages et je vais déposer mes cannes et amorcer mes spots. Je vais aller déposer une de mes cannes. Donc ça va être une de mes cannes du milieu sur mes 4 cannes. Donc tout à l'heure j'ai passé un petit coup d'éco-sondeur pour repérer un peu. En fait j'ai trouvé un semblant de dur, certainement un morceau de béton ou un ancien bout de route, une chose comme ça, dans à peu près 2,80 m d'eau. Donc j'ai mis dans le GPS. Donc je vais aller déposer. Donc sur ce montage là en fait. J'ai rien fait d'exceptionnel quoi. J'ai un plomb de 170 grammes inline pour un bon autoferrage. Puis j'ai mon petit montage injet avec mon petit bassroom rig en bout. Là j'ai mis deux petites pop-up de 10 mm Life System chez C.C. Moore. Et en fait, seule modification que je vais pour augmenter un peu la traction, en fait c'est la pâte d'enrobage. Donc l'avantage de cette pâte là c'est que même en eau froide, ça diffuse super bien. Donc on la malaxe un peu, on fait une petite pastille comme ça. Donc là, je me permets d'en mettre sur les pop-up parce que justement, je vais pêcher sur un fond dur. Si j'étais pas sûr du spot où je pêcherais, j'aurais pas mis de patte pour vraiment que mes pop-up descendent lentement. Là, même si ça descend un peu plus vite, se poser sur le fond, je sais que quand ça va se dissoudre, mes pop-up vont se redresser.
Donc ça déjà, le montage est prêt. Donc voilà, en termes d'attraction, on est pas mal. Ça va relativement vite se dessoudre. Je pense qu'en une heure, ça va avoir déjà bien bossé. Pour l'amorçage, je vais vraiment y aller light. J'ai préparé des petits dumbbells Life System et des bouillettes de 10 mm que j'ai arrosées avec l'AminoBlend 365. Donc c'est un liquide qui marche super bien en eau froide. En fait, je l'avais déjà remarqué, j'ai eu confirmation avec d'autres gars de chez CC Moore. Je stocke tous mes produits dans le frigo et en fait, de tous mes liquides que j'ai rangés dans mon frigo, le AminoBlend, c'est celui qui reste liquide, qui s'épaissit pas. Donc je m'en sers également pour napper du petit pelé Life System. Donc ça, je le détrempe avec un peu d'eau pour qu'il soit beaucoup plus lourd et beaucoup plus mou. Et je le fais tremper avec du liquide AminoBlend, quelques grains de maïs doux. Je sais qu'il y a pas mal de blanc, ça va faire un peu d'activité. Et on va aller déposer ça en espérant de faire un petit poisson breton. Donc là, je viens d'arriver sur mon spot. Donc on est vraiment sur la fin de la pente avant d'arriver à 3 mètres. On a 2,80. Et en fait, il y a une partie qui doit faire 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Parce qu'on sent qu'il y a des morceaux, c'est bien dur. Voilà. On va essayer de se mettre en limite. Pas se mettre en plein milieu du dur. Voilà. Voilà. On va mettre quelques bouillettes de 10 mm, quelques dumbbells. Donc là, il y a à peine 3 mètres d'eau. Donc il n'y a pas de risque. En plus, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de risque que les appâts ils dévalent dans la profondeur et qu'on se retrouve à amorcer 5 mètres à côté. Donc voilà, là, j'ai mis quoi, quinzaine, vingtaine de petites bouillettes. Je vais mettre l'équivalent d'une toute petite pelle de particules. Voilà. On éparpille un peu d'appât autour pour créer une zone avec le liquide. On sait qu'autour de cette tâche, bah en fait, il y a de la nourriture et puis voilà, après ça devient plat, c'est vaseux, ça descend jusqu'à 3,60 m. Puis après il n'y a rien d'exceptionnel à trouver. Après peut-être qu'avec une canne à sonde, on arriverait un peu plus facilement à trouver des différences de substrat, passer sur des choses un peu plus dures ou un peu plus molles. Mais voilà, en plus c'est pas très très loin, ça permet d'être relativement précis. Puis là ça remonte, là. On arrive à 2,50 m. Ça pêche en Bretagne. En plus, on a de la chance, on peut admirer le magnifique soleil breton. Je pense que là, ils sont au maximum de l'ensoleillement. Je pense que le soleil breton est parti avec Alain Gillot Pétré, on ne le reverra plus. C'est ça. Malheureusement. Donc là, on est à indice UV 100 ici en Bretagne. C'est ça. Ici, la seule crème qu'ils ont besoin, c'est pour mettre sur les crêpes, quoi. Je vais profiter d'une accalmie entre deux averses pour vous parler un peu des spots que je vais pêcher. En fait, c'est un plan d'eau qui est relativement plat et très vaseux. Donc, hormis les cassures en bordure où on trouve un peu de cailloux et des choses un peu différentes, il n'y a pas grand chose à pêcher. Donc là, je me suis mis carrément côté digue. C'est une grande digue en pierre avec l'évacuation d'eau qui part dans une rivière. Donc j'ai posé mes cannes sur des spots qui me paraissent intéressants. Donc j'ai une canne qui est carrément sur un tombant de cailloux, quasiment sur la berge d'en face, dans 3 mètres d'eau. Et ça descend jusqu'à 4 mètres avec de la vase, donc je suis à la limite du dur et de la vase. Et j'ai deux cannes à entre 2,50 m et 2,80 m, pas très loin du bord, une 50-60 mètres de notre berge.
où est-ce que j'ai certainement une dalle en béton. J'ai une plaque très très dure au milieu de mou. Et voilà, un fin de tombant dans 2,50 m d'eau où c'est un peu plus dur qu'ailleurs. Donc voilà, ça permet de présenter les appâts très très propres. Et je pense que si les poissons vont visiter la zone de la digue, ils longeront notre berge et cette cassure. Et voilà, ça pêche, c'est amorcé précis de manière très light. Donc voilà, s'il y a un poisson qui veut s'alimenter, ça pêche. When the crow starts circling above your head and the noose gets tighter around your neck, will you talk to God, say a little prayer? Voilà une magnifique petite commune sauvage bretonne pour clôturer cette session avec moi. Donc des conditions pas évidentes, changement de temps, de la pluie, du vent, une eau à 6 degrés. Mais voilà, quand on pêche de manière réfléchie et intelligente, il y a toujours moyen de toucher quelques écailles. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle nuit avec moi.